On va donc invoquer Émilie, l'objectif est de la voir. Les 4 étoiles, on s'en moque, on n'en a rien à cirer, donc ça craint. En plus, je suis pas garanti. C'est le pire des cas de figure. Si j'arrive à la voir, ce sera formidable. Donc j'ai le palpitant, bien entendu, hein, qui se met en route là. Allez, let's go. Sans plus attendre, on lance une première multi. Ouais, bon, ça fait très très peur. Je le sens pas du tout l'histoire. Le pire en plus, c'est que ça se trouve, ils vont me donner des armes comme ça. En termes d'invocation, je serai très limité. Voyant de fée, elle est trop bien. Non, je déconne, elle est nulle. Non, elle est pas nulle, mais. Ou presque. Allez, c'est reparti pour un tour. Vœu suivant. On est parti sur. Pour l'instant, c'est. C'est incroyable, hein. Incroyable. Incroyable. Oh. Eh non mais Xiangling, franchement, vous vous rendez compte un peu la dinguerie là. Non mais je viens d'avoir Xiangling, vous imaginez même pas. Mais vous trouvez pas que c'est hallucinant tellement j'ai de la chance là, ça me fait peur en fait, j'ai peur de cette chance, elle est énorme. C'est une chance là, c'est waouh, je suis c'est incroyable, incroyable, que dire de plus, incroyable. Oh là là, oh là 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 là, mais c'est, je suis inquiet en fait, j'ai trop de la chance. Putain, le goth, le goth Razor, le goth, c'est phénoménal, hein, phénoménal. Bon, allez, trêve de plaisanterie. J'aime autant vous dire que je le sens pas du tout, quoi. Ça sent tellement mauvais. J'ai même plus envie d'invoquer, là. J'ai envie de me stopper là. Je sens déjà que ça va être le shaft monumental. En général, moi, sur Genshin, c'est toujours comme ça. C'est soit j'ai de la chance, soit j'en ai pas du tout. Et là, je sais pas pourquoi, je le sens pas, mais alors d'une force. Bon, allez, go. C'était obligatoire. Oh la pute. Oh la pute. Oh la pute. Dégoûté. Je suis dégoûté. Je ne même peux plus la voir. Que ce soit Diluc ou elle, je ne veux plus jamais les voir. Honnêtement, ça m'énerve. Même là, je sais pas quoi vous dire. En vrai, je suis renversé, hein. Ouais, exactement, ouais. Je suis renversé. Je sais déjà que c'est. Je suis dégoûté. J'en ai rien à foutre. C'est déjà que je l'aurais pas. Je suis dégoûté. On y va à fond, hein. Rien que de les voir, déjà ça me fait vomir en fait, ça me gonfle de les voir revenir à chaque fois. Ah, c'était catastrophique. Bon.
Eh bien, il s'est écoulé quelques jours depuis, puisque la dernière fois, j'avais invoqué sur le perso, je l'avais pas eu. Donc, on va regarder l'historique ici. Et il se trouve que voilà, j'ai fait quelques vœux depuis Émilie que je n'ai pas eu. Donc, je crois que je suis bien entendu à 40. 35. Je dois être à 35. Voilà, je suis à 35. J'ai 26 invocations de plus. Oui, il y a eu un petit peu de. Hein. Et donc. Peut-être que voilà, la séance se fera en d'autres étapes. Donc c'est parti, on va faire des vœux et on verra bien ce qui va se passer aussi. Alors ce qu'il faudrait, c'est que j'ai un maximum de 4 étoiles. Je le dis, là, même si c'est des 4 étoiles qui m'intéressent pas, j'espère que ce sera pas encore des armes. J'ai eu une arme la dernière fois, je veux dire. Tout ne sera pas forcément vu parce que je vais pas montrer les invocations une à une, ce serait beaucoup trop long. Voilà, bon, ça me rembourse une invocation. On va voir les choses comme ça. Vous savez quoi, je peux plus me prendre la tête là. De toute façon, à partir du moment où c'est la loose, ça peut continuer à être la loose. Let's go! Je crois que je suis parti pour faire une soft. Hein. Je vais pas vous mentir, je vais vous dire la vérité. C'est la pire séance invocation que j'ai jamais faite de toute ma vie. Vraiment, hein. J'ai jamais eu autant de malchance depuis que j'invoque. C'est incroyable. Je me fais shaft à tous les niveaux. Même sur les portails, souvent j'ai des persos 4 étoiles qui tombent. Là, j'ai rien, rien du tout. Ça me fait peur même. Ouais. Là, on va y aller à la limite. Je suis peiné de voir ça, ça me fait mal. Surtout que là, on parle pas en plus d'un perso vraiment. Enfin, c'est un très bon perso, un pilier, mais c'est pas non plus l'un des meilleurs. Donc, ça me désole. Ça me désole. Écoutez, c'est catastrophique, hein, une fois de plus. Mais bon, l'avantage ici, c'est que maintenant, je suis bien plus avancé. Donc j'étais à 35, j'ai fait presque 30 vœux, en fin de compte. Donc voilà, après, il y a encore les abysses demain, donc ça fera quelques invocations de plus. Quelques invocations tous les jours, enfin. On se dit à très bientôt. Alors, donc l'historique, déjà pour commencer. Voyons là. La dernière fois qu'on a invoqué, c'était hier. On va remonter jusqu'au dernier 5 étoiles. On est à 62. Donc je vais monter à 70. Et ben, let's go, c'est parti. Bon, déjà ça me fait une invoque de plus, je peux monter à 71. Et je vais convertir tout de suite comme ça c'est fait. Tendu quand même. Encore? Encore un castor? Ça va être une arme. C'était sûr. Deux astéries. Ça me rembourse une invoque. On va pouvoir monter à 72.
Bah écoute, ce sera pas pour aujourd'hui, à mon avis, ce serait déjà tombé 6h. Eh ben non. C'est juste l'humiliation. On va faire le peu d'invocations que j'ai, c'est-à-dire 2. À noter que là, je suis vraiment normalement sur le bout du bout. Je crois que je suis vers 70, 71, 72, enfin je sais plus exactement. On va vérifier ça tout de suite. On va aller jusqu'au dernier 5 étoiles. Ouais, donc je suis à 73 quand même, hein. Alors ça peut tomber n'importe quand. Oh ça y est! Oh ça y est! Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Je l'insulte de tous les noms? Je la détruis? C'est tellement pas dans mon tempérament de parler comme ça, mais bon là j'ai tellement envie de l'insulter, de la maudire, de la dépouiller. Mais d'un autre côté je suis content parce que ça y est, elle est dans la box, c'est enfin fait. Par contre le splash art il est beau, hein. Ça on peut pas dire le contraire. Hein. Eh ben let's go! Juste avant Natlan? Voilà, enfin! Écoutez, j'espère que cette séance invocation vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt. Allez, ciao, bye!